Yahoo Bidibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, maquillage rose, béret rouge, ongles rouges, collier cœur, avec bien sûr ma... j'ai perdu le... mon alliance. On se retrouve donc bien entendu pour la vidéo swap Saint-Valentin avec la youtubeuse Cuties. Donc si la suite t'intéresse, je t'invite à continuer. Donc comme tu auras sûrement un peu perçu pendant une sorte d'intro, je pense que j'aurais fait, ça remplit entièrement un cabas réponse. Voilà, alors le cabas réponse, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai ça, c'est parce que c'est Lily qui me l'avait offert, Lily, la chaîne magique, enfin qui a la boutique magique à Ligmoto. Voilà, que tu as dû voir en décembre sur ma chaîne, oui, fin novembre. Donc, que je t'explique, pour ce swap de la Saint-Valentin, ça devait être fin novembre. Avec Cuties, on a envisagé de se faire un swap, sauf que swap de Noël, c'était mort, parce que j'avais vraiment, vraiment trop de personnes à qui j'offrais des cadeaux pour Noël. Et j'avais dit, éventuellement, on peut faire ça pour la Saint-Valentin, si ça te dit. Et comme c'est une nouvelle amitié, égale grand sentiment, égale, tiens, faisons ça pour la Saint-Valentin. Et en fait, du coup, ben, on s'est fait un swap. Alors, que je t'explique, parce que tu vas sûrement aller voir après la vidéo où moi je lui ai offert des cadeaux. De base c'était 8 cadeaux, puis après elle m'a dit oui mais je veux en acheter 10. Je fais ok, mais j'ai dit ça m'embête en fait, parce que voilà. Et après elle me fait oui promis, hein, pas plus. Voilà. J'aurais jamais dû la croire, parce qu'en fait elle s'est arrêtée à 14 et encore elle voulait en faire un 15e, et je sais qu'il y a des bonus. Donc voilà, donc moi j'ai 9 cadeaux entiers et j'ai mis quelques petits bonus aussi, mais ce petit truc c'est des échantillons, j'ai mis 2 bonbons, mais voilà, donc ne t'étonne pas que moi il y a 9 et qu'elle y ait 14, c'est qu'elle m'a piégée, ok? J'ai su une semaine avant, et moi il devait avoir un 10e cadeau, parce que de base, donc comme je te l'ai dit, on avait dit 10, mais c'est quoi, quasiment une semaine avant la qu'on se voit avec Cuties, donc on s'est vu premier vendredi de février, voilà, je vais y arriver. Une semaine avant, on commence à parler du swap et tout ça, et en fait, je regarde mon téléphone et je regarde sur les sites sur lesquels j'ai acheté, et là je me rends compte qu'il y a un des objets qui a été annulé, et j'ai pas eu une mail d'annulation, et ma mère elle a pas fait gaffe du tout quand elle a regardé une... c'est celle qui gère les comptes bancaires, et qu'elle a pas du tout fait attention que ça avait que voilà, ils ont jamais débité en fait l'argent, et ma commande avait été annulée et j'ai jamais su. Toujours est-il, donc c'est pour ça, je tiens à t'expliquer quand même pourquoi il y a pas le même chiffre, sinon moi il y avait 10 comme elle s'était promis. J'ai donc la petite carte. Alors mon ami Ibiki cœur, c'est parti pour le swap, voilà. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que comme là dans le sac ils sont tout mélangés, je vais lire la carte, couper, mettre les cadeaux dans l'ordre pour moi, pour que ça soit bien plus simple, et après on se retrouvera du coup pour l'ouverture, d'accord? Voilà, donc on va ouvrir ça. Par contre j'aurais peut-être dû... Oh trop mignon, ah oui on m'avait dit qu'il y avait des pendes là-dessus. Oui, je vais peut-être emmener aussi les ciseaux, je sais plus dans... Si, ils sont dans ma chambre. Oh. Regarde-moi ça, des pandas. Voilà, des pandas. C'est la vie. Ouais, ça vient de chez Emma. Ça vient de chez Emma, la carte. Trop cool. Party time. Alors, petit mot. On se retrouve pour notre premier swap. Je suis super heureuse de le faire avec toi et j'espère que tous mes cadeaux te plairont. Tu es un véritable ami pour moi. Je t'adore nos journées et j'adore nos journées shopping. Je te souhaite une bonne Saint-Valentin et sache que je t'adore. Cuties manga. Et donc après, alors d'un côté du coup, il y a le petit mot et là, il y a le menu du swap. Donc, comme je te l'ai dit, petite coupure, on met ça dans l'ordre et je te retrouve. Je suis tellement douée qu'en sortant tous les cadeaux, j'avais égaré la carte. Non, en fait, elle était juste au côté. Hein. Donc, j'ai emmené les ciseaux, j'ai la poubelle, j'ai le cabas qui peut éventuellement servir de poubelle. Non, il va servir plutôt pour ranger les objets. Donc j'ai les objets rangés dans l'ordre de numéro, ça va être plus facile. 1 pour ton futur voyage. Alors il était un petit peu déjà ouvert comme ça, mais bon, hop. Alors pour mon futur voyage, ça peut être un truc... Alors je sais qu'elle est passée à Primark, donc je dirais bien les trucs pour mettre... Enfin les trucs à valise quoi en fait. Étant donné... En plus ce qui m'a fait rire, c'est que si c'est ça,
c'est qu'elle a capté que en fait sur mon sac à dos que j'ai en fait tout le temps quand je fais une journée shopping, que c'est le sac à dos aussi qui me sert pour je sais, c'est juste histoire de t'expliquer avant. Le sac à dos qui me sert du coup pour les otaku nantour, et c'est mon sac à dos qui me sert pour les voyages, c'est mon sac à dos que j'ai tout le temps en fait sur moi. Et en fait depuis que j'ai fait mes deux voyages Paris et Nantes, j'ai laissé en fait vous savez les trucs pour justement les valises, j'en ai un avec une tête de licorne qui est de Primark, où j'ai laissé mon nom, prénom et numéro de téléphone au cas où que éventuellement je perde mon sac. Et au moins s'il y a quelqu'un de gentil qui veut bien me dire t'as oublié ton sac. Bingo! Avec Olaf! Et donc ça vient de Primark et à l'étiquette en plus. Nanana, j'ai trouvé. Oh, il est trop mignon, Olaf. Regardez-moi ça comme il est mignon. Oh, mince, j'ai déchiré la boîte. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y a du scotch. Bon, tant pis, j'ai déchiré la boîte. De toute façon, maintenant, c'est foutu. Voilà. Le voilà d'un peu plus près et ouais, il y a le truc d'écrit. Ah, tu écris directement dessus au marqueur peut-être, j'aurais peur que ça s'efface. Ouais, ils mettent le nom de la personne, la maison, l'email et le téléphone. C'est mignon, j'adore. Ta-da-da. Alors je vous préviens, je risque de pleurer, hein, parce que là il y a beaucoup. Deux, une nouvelle Magica Girl. Alors deux, étant donné que c'est un... Je dis que c'est un manga. C'est un manga. Je viens de comprendre ce que c'est. C'est le Magical Girl. Alors, je sais plus le nom. Des Château. J'ai aperçu juste un bout de la couleur de la couverture et j'ai déjà grillé. Alors, pour te donner une idée, j'ai vu ça. J'ai juste vu. Voilà. Et je pense que c'est ça parce qu'en plus elle m'a dit surtout ne l'achète pas quand j'ai fait le... Oh oui, je sais pas, non, vous l'aurez pas encore vu je crois. Si, oui, si. Normalement j'ai fait une vidéo extrêmement gage achète ou pas spéciale justement avec le tome 1 de ce manga là et d'autres mangas. J'ai fait deux extraits mangas en fait ce jour là. Voilà, j'avais passé toute une journée en fait à Bordeaux pour faire des extraits manga j'achète ou pas. Et il y avait donc Call Me Magical Girl dans ce que j'ai testé. J'étais plutôt bien emballée, donc voilà. Trop bien. Château. Ah, c'est écrit à l'arrière. Château Shonen. Ok, j'avais pas fait gaffe ça. Forcément, quand je lis un extrait, je regarde pas forcément l'arrière. Je me concentre sur lire le plus de pages possible, le plus rapidement possible. Donc encore un très très bon choix. Elle avait peur aussi, je tiens à insister, mais c'est qu'elle avait peur de tomber à côté un petit peu parce que on se connaît, mais on se connaît pas non plus depuis très très longtemps. Donc même moi j'ai un peu galéré parce qu'en plus j'ai tourné autour de 3 séries. Enfin ça tu verras sur sa chaîne, mais j'ai tourné autour de 3 séries principalement, donc c'était un petit peu dur. 3, j'ai rattrapé, attention ça brille. Réparé. Ah, c'était ça le fameux objet du coup. Elle avait reçu un objet. Ça, je sais depuis un petit moment. Elle avait reçu un objet en fait de sa commande et en fait il était cassé. Donc je sais pas si c'est l'objet qu'elle a réparé ou est-ce que c'est un autre. Et voilà, mais je pense que c'est ça parce que justement elle a dit j'ai réparé. Hop. J'adore son papier cadeau d'ailleurs, Saint-Valentin. Moi, il est un peu moche. Je lui ai mis le. Celui que j'avais acheté à Action, mais celui au fond marron. Et j'aime pas trop les fonds marrons, mais bon, c'est écolo. Ah, je viens de comprendre. C'est une palette Babe in Paradise. C'est de... Babe in Paradise. Morphée et Britman. Je connais pas. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Elle a reçu la palette en fait toute cassée, donc elle a réussi à réparer. Oh, c'est une palette, je viens de capter, c'est une palette d'highlighter. Je viens de comprendre. Alors, donc du coup, ne fais pas attention, il y a 3 fards qui sont tout cassés et qu'elle a essayé de réparer. Voilà. Tada. Alors, si je commence les swatchs, on n'est pas dans la merde, j'ai pas de mouchoir.
Voilà, et on va reprendre du coup le numéro 4 pour tes cours de magie. Cours de magie. Je savais pas que j'aimais la magie. Enfin, si, j'aime la magie parce que j'aime l'univers Harry Potter. Donc, peut-être une baguette. Peut-être. Ouais. Je me rappelle même pas de lui avoir dit que j'aimais l'univers Harry Potter, tiens. Alors après, je connais pas encore les baguettes par cœur, donc je sais pas si c'est un personnage en particulier. Primark. Non, c'est juste un. Ah, c'est juste un stylo, je pense, en rapport avec Serpentard. Ah, m'avait demandé d'ailleurs ma maison. Voilà. Donc, c'est un stylo Serpentard. Ah, pour mes cours de magie. Oui, d'accord, effectivement, je vois le jeu. Oh, il est trop beau. Oh my god, il est trop beau. Regarde-moi cette beauté. Pourquoi tu fais la mise au point à chaque fois à côté, mec? Oh, voilà. Donne-moi ça. Donc, c'est un stylo. Mais c'est pourri gâté. Ensuite, puisque tu es frileux. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Donc, je suis en 5. Oui, c'est le gros truc. Elle m'a dit qu'elle avait pris justement une grande taille parce que c'était pour traîner à la maison. Et donc, justement, on a tendance à préférer les grandes tailles, justement, quand c'est des vêtements, tu sais, plus longues. Sachant que moi, je vous le dis clairement, vu que j'avais des t-shirts taille triple XL. Quand j'ai monté, j'étais au plus haut de mon poids, j'ai eu des vêtements triple XL. Je continue de les garder, tout simplement parce que c'est mes vêtements pour le sport ou pour le dimanche. Donc, en fait, le fait que le vêtement soit 10 fois trop grand pour moi, ça m'aide à être moins strict par rapport, par exemple, aux horaires, etc. et à être plus cool. Je crois que je viens de comprendre... Faut que je le porte dans la vidéo ou comment ça se passe? En plus, c'est très assorti avec mes cheveux en ce moment, donc ça serait parfait. Ouais, là, t'as bien fait de prendre ample. Alors, je te montre juste ça, en fait, pour t'essayer de comprendre ce que j'ai compris. Oui, pourquoi? Tu vois ou pas? Donc, c'est un pyjama chaud. En matière toute douce, et c'est surtout et merde hein, le scotch tu m'emmerdes, il y a là. Alors en plus il y avait le petit truc pour mettre tout, donc elle a mis deux cuties, oui, pour Ibi, et donc c'est un pyjama Stitch. Ma vie, Stitch. Attends. La fermeture éclair. Ah oui, c'est une veste fermeture éclair. Ah, c'est une combinaison. Ah d'accord, pardon. Donc c'est du XL. Donc du coup, je pense que je vous ferai une prise en fin de vidéo. Là, il m'en reste encore une vidéo à tourner. Donc je vais peut-être pas m'amuser à me dessaper pour me ressaper après. Mais je ferai même des TikTok du coup avec, je pense. Voilà. Donc ça, je le mets de côté pour y penser. Tchou, voilà, on est maintenant sur le numéro 6 qui est tout petit. Pourquoi elle m'a mis 6 bis alors j'ai pas vu d'autres 6. Alors, 6, encore des paillettes. J'espère que c'est un tout petit truc parce que... Alors, j'ai pas compris pourquoi 6 bis alors j'ai pas vu de 6-1. Bonne Saint-Valentin, bonus. Ah oui, c'est Mola. D'accord, le bonus, c'est l'objet Mola. Je ne sais pas si je t'aurais montré du coup l'accéléré quand je triais les... J'ai dit les bonbons, oui, bien sûr, les cadeaux. Et donc, voilà, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait 6 bis. Alors, j'ai pas vu de 6 tout court. Mais bon. Le seul truc que je n'aime pas dans les swaps, c'est le scotch. Alors, je fais tout doucement parce que là, je sens que ça a l'air fragile. Deux petits objets. Non, c'est trop mignon. Oh my god, j'adore. Ah, ils sont trop choux.
Ça vient d'où? Nez joli. Ça me dit rien. Des paillettes, des vernis à paillettes rose et vert. Voilà. Je pense que je vais me faire le... Vu qu'il faut que je refasse mon vernis, parce que là, il a sauté un peu partout, et que mercredi, je revois Cuties et tout ça, et que, en plus, mercredi pour moi, donc toi, ça sera de cette semaine, hein, vu que je filme le lundi, toi, tu l'as, du coup, le vendredi, vu que c'est la Saint-Valentin, moi, le mercredi, du coup, je revois Cuties, et comme je dois aussi faire un truc pro, je pense que je vais me refaire les ongles et je vais mettre le rose. Oh my god, il est trop beau. Je jute. Merci. Stickers. Et tant mieux parce que alors là, les carnets, j'en ai trop. Surtout que j'avais dit de plus m'en acheter. J'ai eu Sandy qui m'en a offert un. Après, il était beau et puis c'était pas vraiment un carnet. Et puis c'est un objet de collection. Voilà. Je dirais des post-it. Ah, des petits stickers. Ah, des stickers Rilakkuma. Je suis joie des stickers Rilakkuma. Mais je vais pas les utiliser. C'est trop mignon pour être utilisé, ça. C'est trop mignon pour être utilisé. Ça, c'est un objet de collection. En plus, j'adore le Rilakkuma et j'aimerais bien le collectionner. Pas trop de collection. Oui, j'avoue que j'ai trop collection quand même. Hein. C'est déjà un bon espoir. Bon. Poubelle. Un petit cadeau. Poubelle. C'est mis dessus. C'est tombé. C'est encore mieux. Donc, 8. Mange comme un japonais. Oui. Ben non, ça c'est 9. Où est le 8? Ah oui. Un bento. J'irai vu la... Rilakkuma, j'ai vu du marron, c'est forcément Rilakkuma. Bingo. Regarde, j'ai la preuve. C'est écrit Rilakkuma. Moi, à côté, mon chat pouvait être tout minable. En même temps, moi, j'ai pas pu sortir depuis depuis décembre. Je suis pas spécialement sortie. Je vais... Ouais. Elle a mis du scotch sur le... Elle a mis du scotch dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il est beau quand même. Elle avait mis du scotch dessus, du coup, ça a fait une griffure. Pas grave. Et oui, je disais, moi, je devais sortir. Et en fait, j'ai pas pu sortir du tout tout le mois de décembre et tout le mois de janvier pour faire du shopping ou quoi. Donc, j'ai pas pu acheter des trucs encore mieux, quoi. Oh. Alors comment il s'ouvre? Ah. D'accord. Ah, il y a un petit truc là pour faire passer l'air. Pour faire enlever l'air. C'est trop bien. Qu'est-ce que... Non, là, c'est juste pour... Oh, une corde. J'ai dit, je voulais collectionner Rilakkuma, j'ai fait du Rilakkuma. Ensuite, avec le numéro 8, donc c'est le 9, pour des baguettes. Je vais pas regarder. J'ai fait des bêtises. Non, il n'y avait pas d'étiquette dessous disant que c'était genre Primark ou quoi. D'accord. À moins que ce soit peut-être... Non, c'est des baguettes. Oui. J'ai des bleus chaussures, là. Comment ça se... Oui. C'est bon. Regarde. Regarde, regarde. Attends. Oui, là. Regarde, regarde. Alors, 10, retour en enfance, sauf que je n'ai... Ah si, je crois que c'est ça du coup le numéro 10.
Et lui, il est beau. Non, trop bien. Oh my god. C'est une bague. Attends, je vais la mettre ici. C'est une bague Pokémon. Enfin, je pense que tu vois. Attends, je vais essayer de faire autrement. Ouais, c'est assez dur de te la montrer, mais c'est une bague Pokémon. J'essaierai de faire un zoom avec l'autre appareil photo. Celui-là, il veut pas te faire la mise au point. Un petit peu trop grand. Ah, au pouce, ça passe. C'est un peu grand, en fait. Et là, ça doit être le collier 414 Sakura, je pense. Mais pourquoi tu... Voilà. Et genre là, si je mets la bague, tu fais la mise au point. On est d'accord. Ah bah ouais, bien sûr. Voilà. Trop mignon. Oui, si, c'est le code que tu recours. Tada! C'est refermé. Alors, 11. Maintenant, les lèvres. J'ai mis du rouge à lèvres. Donc, moi aussi, j'ai mis un truc pour les lèvres et j'ai osé sortir de sa zone de confort. Ah, c'est encore... C'est le même genre de rouge à lèvres qu'elle m'avait mis pour nos petits cadeaux de Noël. Pourquoi il fait la mise au point n'importe où, lui? Il fait déjà la mise au point sur ma gueule, merci. Et... Voilà, donc là c'est plus une couleur nude, plus le genre que je porte que son truc vert. J'ai essayé de le reporter en comme ça, vu que c'est un gloss. Et c'est pas facile à porter comme son truc vert. Et j'en sais pas plus pour l'instant que ça. C'est un porte-monnaie Sanrio. Lui, c'est le chien Pudding. Et j'adore toutes les peluches quasiment. Toutes les trucs de la licence Sanrio. Ça, c'est pour éviter que je dépense trop lors de nos journées shopping, je pense. Il est trop mignon. 13, il te le faut. 13 bis, mais j'ai pas le 13 bis. Attends. Montrer des cadeaux. Ça m'avait dit qu'elle avait justement un peu triché en mettant 13, 13 bis, 6, 6 bis. Je viens de comprendre. Ah, d'accord. Il y en a. Attends, je te montrerai après parce qu'il y a deux trucs et donc je préfère. Le faux et 13 bis venu du Japon. Ah, je pense qu'elle a mis les deux ensemble et donc 6 et 6 bis, ils sont ensemble. Ok, je viens de comprendre. Le tome 1 de Given, ce qui est un yaoi de Taifu qui me fait de l'œil, il me fait les yeux doux depuis. Je te raconte même pas. Et on a du coup, c'est un manga assez spécial sur Yona. Sachant que je connais pas encore trop l'univers Yona, c'est un manga qui m'intéresse, mais j'en sais pas plus, donc voilà. 14. Alors, il est super grand, mais il est surtout super léger, donc ça me paraît bizarre. Je pense que ça pue la figurine, ça, que c'est clair et net. Enfin, ça pue, façon de parler. Quoi. Alors, vu la boîte, ça me rassure parce que je pensais à une figurine, mais je me suis dit c'est impossible qu'elle ait acheté celle-là. Alors, je suis pas sûre de reconnaître le logo en japonais. Attends, on va ouvrir les scotch sur les côtés parce que j'essaie de ne pas regarder pour pas être spoil juste en ouvrant le scotch. La réponse est oui. Le scotch c'est rose. Ah non, c'est qu'elle avait scotché aussi sur la. Je viens de voir ça.
Donc j'essaie de me calmer en regardant mes décos de Noël pour l'an prochain. Oui, parce qu'elles sont toujours pas rangées. Je connaissais pas cette licence Jaya. Ou Furio. Furio, peut-être. Je pensais que ça viendrait plus tôt. Franchement, je pensais déjà quand il y avait. C'était quoi? Le Stitch. Déjà au cinquième, je l'ai échappé belle. Honnêtement. Et il y avait un autre truc aussi où je l'ai senti. Je l'ai pas senti le truc. Mais là. En gros, si t'as pas compris ce qui se passait là, que je regarde plus rien et tout, c'est que j'essaye de me concentrer sur n'importe quoi, là, genre ma poche Yankee Candle où il y a en fait mes décorations Saint-Valentin dedans, tout va bien, pour essayer de ne pas pleurer, de ne pas avoir les larmes qui montent trop, parce que je les sens en fait en moi. C'est ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que d'abord j'ai, on va dire, l'émotion intérieure qui arrive, puis l'émotion extérieure. C'est-à-dire que j'ai appris il y a très longtemps, à cause de ma famille qui est pas très très cool, d'apprendre à pleurer à l'intérieur de moi. Donc là, je suis déjà en train de pleurer en fait à l'intérieur et j'essaie de limiter l'extérieur. Voilà. Dur à faire passer. Hein. Donc ça, je ferai une vidéo du coup ouverture hein, séparée pour faire une vidéo ouverture sur la figurine. Elle a l'air juste magnifique. C'est 4-14 Sakura dans l'uniforme scolaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux avec Kero? Kerobero. C'est une des séries qui a marqué quand même mon enfance, il faut le savoir. Donc, jamais vu mes quoi venu du Japon. Non, 14, le meilleur. D'accord. Voilà, je ferai une vidéo du coup. C'est en train de retomber, mais il faut pas qu'il y ait autre chose encore de. Et donc, le numéro 15, en gros, ou le bonus, les trucs de Mola. Je trouve ça super beau la façon dont c'est emballé avec Mola, regarde. Il y a même un. Alors, Mola, c'est une librairie qu'on a sur Bordeaux. Et je l'ai présenté du coup forcément dans la vidéo Otaku Bordeaux Tour. C'est la deuxième boutique d'ailleurs qu'on voit dans la vidéo. Voilà. Alors j'essaye de ne pas voir avant ce que c'est. Donc toi tu vois à peu près. Enfin voilà, tu vois comment je fais en fait. Je rangerai après. Je viens de comprendre en fait pourquoi du coup elle m'a offert ça. On avait dit que quand on a vu l'un avait la série, l'autre ne l'achetait pas. N'est-ce pas, cuties? Elle m'a acheté tome 1 et 2 de Yona, la princesse de l'Aube. On avait dit que ça, on évitait les bêtises comme ça. Voilà, parce que au cas où, si tu ne le sais pas, Cuties est la collègue youtubeuse qui était dans la vidéo, donc du coup Otaku Bordeaux Tour. Et comme on habite pas très loin et qu'on peut se voir assez facilement, on a décidé du coup de s'échanger nos mangas. Donc voilà. Et j'ai les deux premiers tomes de Yona, je vais enfin pouvoir tester la série. Du coup, je ferai une vidéo crash test sur les deux premiers tomes pour te dire ça. Donc la vidéo est terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Cuties, merci. Je sais que tu avais un peu peur d'être planté à droite ou à gauche. Bah, il n'y a rien eu de où tu te sois planté. De toute façon, je suis assez facile à cerner. Et puis dès que je parle un peu, on arrive à savoir en fait ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Merci aussi Cuties du coup. Pour ton amitié, pour du coup les moments qu'on passe ensemble à chaque fois dans nos petites journées shopping. Voilà, je ne saurais pas quoi dire, je suis perdue. En fait, il y a un peu trop d'émotions, je suis en train d'essayer encore de ne pas pleurer, donc c'est particulier, c'est compliqué. Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel est l'objet que tu as préféré, peut-être celui que tu as aimé le moins, pour voir justement quels sont toi tes goûts par rapport à moi. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, et n'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive. Comme moi, il peut m'arriver aussi des trucs cool. Bye!